Salut tout le monde, c'est Arius et nous nous retrouvons sur un petit fan game Crazy the Hedgehog, un petit hack sympathique de Sonic Hedgehog. Il me semble que c'est le 1 sur la Sega Genesis. Et on va y aller parce que il est assez drôle. Voilà, déjà, première chose que l'on peut remarquer, la palette de couleurs a été changée. Sonic n'est plus bleu, mais vert. Au-dessus du nombre de vies, si vous voyez bien, vous voyez Crazy. Et le jeu a bien entendu été un peu modifié pour le rendre plus dur. Sinon, c'est pas drôle. Et le niveau 1, alors je le fais tranquille parce que je me suis entraîné, mais le passage là, vous le passez pas comme ça du premier coup. Alors évidemment, les boutons ABC servent à sauter. Ah, je me suis raté. Voilà. Ben voilà, combo. Et là, la petite musique qu'il est bien d'entendre. Parce qu'elle est cool, cette musique. Et là, attention. Là, c'est complètement pété ce que je fais. L'estrade des runs. Voilà. Premier niveau déjà terminé. Et en ce qui concerne le fait que monsieur Dermain, qu'il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie depuis un moment, je suis un petit peu malade. Je sais pas si ça s'entend encore. Et déjà, autre chose, trop de vitesse fait que Crazy se plante contre les murs. Donc les murs, c'est le mal, évidemment, tout le monde le sait. Waouh, par contre, c'est bruitage. Meilleur bruitage du monde de la Sega Genesis. Ça, je prends. Ouais, alors ça c'est complètement nul, c'est salaud, ce passage est de la saloperie. Comme je disais, oui, je suis j'étais malade, mais ça va mieux. Donc si tout va bien, bah voilà. One up, à moi le one up. Est-ce que je vais arriver au premier boss? Chose que je n'ai jamais fait. Yeah, checkpoint. Faut mieux le prendre celui-là. Yeah, deuxième niveau fini. Les voix sont assez dures lorsque vous y mettez la première fois, mais après, quand vous avez le coup de main, ça va tout seul. Et nous sommes déjà à l'acte 3 de Lakeside Isles. J'ai failli me tomber sur un ennemi. Des bruitages dignes d'une super NES. Merde, fais pas. Respecte-toi. Voilà. Ah, je vais passer par au-dessus, tant pis. Et là, c'est le piège. C'est le piège de Sao. Évident. Donc il faut sauter. Ici. Et voilà. Il y a eu un bug. Normalement, je devrais avoir perdu des rings. Voilà. Et là, comme je suis invincible et que j'ai perdu tout ce qui me permettait de survivre, et ben on va courir sous la flotte. Ah, j'aime quand les jeux me résistent. Sauter dans le vide. Meilleur strat du monde. Toujours faire ça. Ah, et le boss fight.
avec la musique qui va avec. Un docteur Robotnik dans toutes ses couleurs. Alors là, ça va être une partie de plaisir pour le battre. Voilà, parce que... Nique-toi, Robotnik, je n'ai plus de rings. Ouh, il y avait un bruit dégueulasse. Il y avait un bruit dégueulasse, je sais pas si vous l'avez entendu. Wait. Ouais, bien sûr. J'ai pas d'anneau. J'ai pas d'anneau, madame la juge. Voilà, je vais essayer de récupérer un petit peu. Non. D'accord, salaud. Je passe le boss, rien à foutre. Il n'y en a pas un, il n'y a pas un truc de caché. Ah bah, s'ils sont cachés. Merci. Allez hop, 6 anneaux. Ainsi que... Il est là, je l'ai vu. Il est là, il est caché. Il est caché. 11 anneaux. Allez, ça le fait. 2, 3, 4. Allez, ça le fait. Ça le fait, 5. Ah putain. Non mais n'importe quoi. Allez, game over, direct. Sérieusement, putain, ce jeu est dur. Voilà. Bon bah, petite présentation rapide, vite fait. Crazy the Hedgehog, ce vanille est disponible sur Rum Station. Gratuitement, lien dans la description. Quant à moi, je vous laisse. Hein. Bien sûr, il y a d'autres niveaux, hein, mais je vous les montrerai pas parce que je suis une bite. Tout le monde le sait. N'oubliez pas de vous abonner, regarder les autres vidéos, etc. Bon jeu et à la prochaine.